Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Alors, cette proposition combinée de WWE Raw du 18 juillet 2016, de la deuxième partie. En trouvant Bros, Dean Ambrose et l'autre plutôt aujourd'hui, vous avez dit de rien déchirer, qui a changé l'histoire. Et ils l'ont fait. Il a aussi changé l'histoire, ainsi en plus, ils avaient dit pour devenir World Champion. Est-ce qu'il va y aller son titre ce soir? Il va défendre la Battleground dimanche. Et c'est que Reigns. Et Reigns va en tout cas pour gagner. Ah ouais, ce soir, le dimanche, il sera toujours le World Champion. Nous retournons à Nana, nous faisons pour Rusev. C'est une tech image. Rusev, Nana, et Shim, et Dosigan, et Zack Ryder. Enfin, du coup, vous avez repoussé Yann. Entre les câbles, il fait un super kick et il enchaîne avec Nana, quoi, pour lui faire taper alors que Ryder était fini en bas de ligne et peut-être sa présence. Un Rusev et Shim se rendent en besoin du lieu de ce retour de Randy Orton. Le retour en besoin du lieu de John Cena qui a admis la cérémonie des SPYS. En gros, c'est Mick Foley. Oui, c'est Mick Foley qui discute avec The Ascension et Daniel Bryan arrive. Bryan dit que Steph et Shane sont froids et un mec une bonne relation de travail sur la compétition avec Foley. Foley dit qu'il est d'accord. Bryan dit qu'il espère que ce soit d'accord quand SmackDown va battre ses ratings. Foley dit que ce sera la même chose sur Twitter pour Raw. Bryan dit qu'il a le plus grand respect pour Foley. Il sait qu'il va tenir pour le l'univers. Il doit rester en bon terme. Les deux sont en un charisme. Il voit une version drôle. C'est Mick Foley dit qu'ils ont inspiré une génération. Ils ont l'habitude de vaincre ceux qui étaient devant eux. Présentement, Bryan est devant son chemin. Bryan dit qu'ils vont s'affronter maintenant. Bryan Foley dit que le meilleur gagne. Le jeu commence. En bas, on arrive sur une longue de bonne pause. Autour, on arrive. Bryan, Shane, Stephanie et Foley sont installés près de lui. Une World Wide Championship Second Match, Dean Ambrose, Seth Rollins, Fred Kuma, on est aussi servi de sa ring pour avoir contre le coin de Dean Ambrose en qui sont notifs pour courir. Et on se met le pied sur un câble, on se roule en médaille, on Ambrose qui est au ring et prépare un double commentateur. On Ambrose le couche, on est sur les tables pour un saut. Et on se voit la fille sur le ring et de sa force au tablier, on Ambrose emmène sur le ring. Avec une mauvaise naissance du coin, mais on essaie de payer le coup. Et on essaie de relever en boss un autre payer, mais on essaie de check knife cover. Et on essaie en boss en chèque, avec une mauvaise naissance, on monte sur le coin, on se relève. Et on monte sur le coin avec Ambrose, mais Ambrose pour. Bruce Rollins au sol sur un bitron. Rollins retourne sur le coin et c'est un superplex pour le bitron, mais deux ont les épaules au sol. Gagnant. Voilà. Mais le combat Shane est fini. Shane monte sur une avec les GM pour discuter du combat. C'est fini pour le micro et annonce. Rollins comme le World Champion. Rollins va célébrer le stage avec le World Champion pendant que Shane argumente avec Stephanie. Le show s'est mis ainsi. Il y a beaucoup de choses sur le network. Shane argumente encore avec Stephanie. Shane prend le micro et dit qu'il n'a pas vu la même fin. Shane dit que le gagnant est toujours champion de Dean Ambrose. L'arbitre demande finalement de voir la reprise. On voit la reprise en entendant et met notre annonce que les deux adversaires avaient les épaules au sol. Le combat est match nul. Alors, Ambrose reste le champion. Mais si Ambrose argumente sur lui, on est sur Ambrose en deux et alors que il est célébré, on est sur le sage avec la bretelle sur son épaule. On est sur dans son ring et veut le frapper avec la bretelle, mais Ambrose est vite fin là-dessus. De Ambrose sur ring. Voilà, merci de voir celui-ci à la communauté détaillée de WWE Raw du 18 juillet 2016. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et bonne journée à tous!